Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci encore, DG. Et n'a pas salué toutes les amis la presse qui là, tout le monde qui a regardé nous dans la télévision, tout le monde qui a attendu nous. Et m'a commencé aujourd'hui, hein, vous me dites que hier soir, et sur une radio sur yo, moi t'as regardé en émission côté t'as montré des slameurs. Et jeune ça yo, t'as expliqué tout problème qui vient dans le pays, hein, et t'as demandé dirigeants ça n'a fait pour ça. Et avant que je vienne là, et malheureusement, moi, pas un slameur, mais cependant, m'a commencé par lire pour nous en poésie de Félix Maurice Auleroy, qui relait pas prendre portrait de touriste. Pas prendre portrait de touriste. Moi, trop sale. Moi, trop maigre. Pas prendre portrait de blanc. Monsieur Isman, pas content. Moi, trop laide. Kodakou, kakassé. Moi trop sale, moi trop noir. Blanc pareil ou pas content, moi trop laide. M'a pété Kodak là. Pas prendre portrait me touriste. Quitte me tranquille blanc. Pas prendre portrait bourrique moi touriste. Pas prendre portrait caille là. Caille moi c'est caille paille. Pas prendre portrait à joupam. Joupam c'est caille té. Caille là tout crasé. Allez tirer portrait palais. Allez tirer portrait bicentenaire. Pas prendre portrait jardin, m'pa gen charrette, m'pa gen machine, m'pa gen tracteur. Pas prendre portrait pied bois, touriste, m'pied à terre, rad mwen tout chiré. Quoi faire m'pa habitué ak cheve, touriste. Pas prendre portrait ou pas comprendre rien dans affaire, touriste. Give me 5 cents et puis al fè chimé en touriste. Poésie ça, qui datait de 1953. Soit 65 ans après, montrez-nous qui relation que habituellement haïtien gagne avec touristes. Je n'ai jamais dit à la tête ministère là. C'est sûr et certain que nous avons demandé tête non qui ça que le ministre a fait et qui ça que le ministre a réalisé après une année que l'il a en poste. Donc nous connaissons que habituellement et ministère touriste selon mission et attribution Jean DG en fait ce dit là et au niveau de l'aide de cadrage, mais en tout, j'ai action ministère touriste habituellement, c'est toujours formation, promotion, aménagement, conservation des sites et tout ça, promotion, mais surtout la promotion au niveau du pays. Donc, pour la formation, et nous avons parlé de réalisation nous, au niveau de l'école hôtelière surtout, côté que nous mettons en place un comité de gestion depuis l'année dernière et nous mettons aussi un nouveau curriculum qui lui-même répond à toutes normes et à critères et de toute Caraïbe blanc. Et ça, c'est en partenariat avec CTO, c'est Caribbean Tourism Organization, côté que nous mettons en place un curriculum pour tout élève, pour tout le monde qui est dans l'école hôtelière. Nous allons essayer qu'on y a pour nous travailler avec toute l'école qui a enseigné hôtellerie avec tourisme de façon que tout capable gagne en plan, en formation standard. Après ça, et bien sûr, nous travaillons aussi pour l'aménagement de l'école INFOT, qui dans le sud, qui nous connaît, qui était très affecté après cyclone, après passage cyclone Mathieu. Donc, les travaux d'aménagement ont déjà fait, ont déjà commencé, et nous voyons tout que l'école a déjà recommencé à travailler. Quant au niveau de la promotion, qui c'est un travail que le ministère a toujours fait, et nous toujours continuer à être présents sur la carte touristique et nous participer à plusieurs fois et événements pour améliorer l'image pays, hein, pour qu'on y a que tout le monde capable de connaître que Haïti là, Haïti paraît, et Haïti a prétend pour tout le monde venir visiter. Donc, de ce fait, depuis l'année dernière, nous connaissons que nous participons à beaucoup à Rabaco en République Dominicaine, à Honduras, Mexique, à Paris, et ITB Berlin récemment que nous faisons Anissa, et Uruguay, et bien sûr, Haïti lui-même était qu'un bé positionné côté que lui passait de présidence à vice-présidence Commission des Amériques au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme. Et semaine prochaine, nous allons aller dans un foire qui est assez et super important, qui est le CRIS, qui est Caribbean Hotel Resort and Investment Summit. Et sommet ça a réuni tout investisseur, tout le monde qui a l'idée d'investir dans le secteur touristique là, à travers le monde. Donc de ce fait, le ministère touriste non seulement pour aller avec des hôteliers qui ont même quitté sous place, hein, qui est en Haïti, et qu'on y a pour dans quelle mesure que même tout est capable soit agrandir l'hôtel, soit même tout joindre d'autres partenaires, soit pour la gestion
et des hôtels et tout ça. Donc, au point de vue aussi de promotion, on a continué toujours. Et promotion, pas seulement, vous voulez dire promotion de pays à l'extérieur, ça veut dire participation dans le forum et tout le bagage. Promotion, vous voulez dire tout pour être capable d'encourager surtout les organismes d'État et privés aussi, pour eux-mêmes et les entreprises privées aussi, pour être capable d'organiser des forums, des conférences et mondiaux et qu'on y a qui fait en Haïti. De ce fait, au niveau de ministère touriste, l'année dernière, nous avons commencé avec Haïti Tech Summit, AMHE, qui est l'Association mondiale et des médecins haïtiens à l'étranger. Nous avons dit comment que tu as en pile conférence avec le sommet qui était réalisé en Haïti. Pour fin année 2017, nous avons gagné à CPE, nous avons gagné aussi et DGI, et pardon, excusez-moi, la conférence internationale des barreaux. Et puis là, Kounia, récemment, semaine dernière, nous avons vu que le ministère de la Communication a fait un peu de publicité sur les affaires CREDAF qui était organisé, côté ministère touriste, accompagné la DGI dans tout ça qu'elle a fait. Et bien sûr, au niveau des fêtes champêtres, et moi-même, d'ici semaine prochaine, je vais l'inviter nous. Et côté que moi-même, Balchita, avec ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et ministre et secrétaire d'État à la sécurité publique, la direction générale de la police nationale, ainsi que le ministre de la Santé. Pour quelle raison? Parce que faut que nous, d'ici semaine prochaine, nous gagnions un plan d'action pour moun et tout touriste et tout étranger, ou même tout cap venir, et surtout diaspora, tout cap faire déplacement au niveau des fêtes champêtres, cap venir pour été en période estivale. Bien sûr, nous pas jamais cesser avec les campagnes d'éducteurs. Ça veut dire que nous gagnons des tour opérateurs et des agences de voyage qui étaient venus. Et eux même qui étaient venus pour être capables de vendre destination, être capables de mieux attirer les gens qui peuvent venir dans le pays. Donc, nous devons recevoir des tour opérateurs allemands, français, russes, dominicains. Et récemment encore, nous avons accueilli des Chinois. Et bien sûr, au niveau de la promotion aussi, nous tous Carwell, et d'ailleurs, le mois prochain, tout, nous tous pral brancher, et au niveau de mondial, là, et nous tous connaissons que Jason Derulo, qui lui-même que c'est un chanteur et international, mais d'origine haïtienne, lui-même qui était venu filmer, et lui-même qui était fait promotion, que vous regardez que vidéo ça, il y a plus de 18 millions de monde qui well et qui savent où est Citadel. Là. Il était venu filmer, il était insisté sur ça, parce que lui était entré en contact avec lui, il était dit moi ça, qu'il était besoin de venir filmer pour montrer Haïti. Tiens, bon, ok, d'accord, puis bel héritage que nous gagnons en tout, qui c'est la Citadel du roi Christophe. Donc, on y a moins d'îles venir, et vous regardez que dans toute vidéo, hein, que tout le monde a gardé, tout bel héritage qui gagne nous-mêmes en Haïti. Ensuite, et, au niveau de promotion, en tout que nous avons continué, au niveau du secteur touristique, et Haïti présent dans le journal, dans le magazine Air France, hein, qui lui-même a fêté 100 ans. Et ensuite, après ça, nous avons tout bientôt, nous avons gagné tout le petit futé, côté que qui sont guides à travers le monde qui distribue et qui en vente dans toutes les librairies à travers les pays francophones surtout. Donc là présence ça et présence nous-mêmes tout au niveau du secteur touristique là côté nous pas jamais quitter campagne qui les affaires touristes affaires tout le monde. Je veux dire que nous tous journalistes qui a gagné tout le monde qui a gagné la télévision et tout nous tous nous connaissons nous avons conscience que les affaires touristes supposées affaires tout le monde dans le pays. Et au niveau de la sécurité, nous avons parlé aussi de nouvelle promotion pour les tours, qui gagne près de 50 policiers encore qui intègrent l'école. Hein. Donc, nous-mêmes, en réalité, nous voulons gagner un objectif, nous avons essayé d'atteindre un objectif de près de 500 policiers. Et parce que pour le présent, moment, nous sommes présents seulement au niveau de la côte des Arcadiens, de Pétionville, et aussi dans le nord, mais cependant, on veut augmenter le nombre de policiers qui peuvent parler de sécurité. Parce que tout. Première question que tout le monde toujours a posé en Haïti, et c'est ça qui fait que monde toujours a dit non, pas venir en Haïti, pas faire ceci, c'est toujours le problème sécuritaire. Et il y a des choses que nous n'avons pas fait promotion pour lui, parce que au niveau de Global Peace Index, qui sortit un rapport en 2017, il a classé Haïti parmi les destinations les plus sûres au niveau de la Caraïbe. Nous avons remporté la palme. Donc, on y a, et au niveau de Caraïbes et Amérique centrale nous sorti en 7e position. Donc, il y a un pile bagage que moi-même t'aimer, je dis m'a demandé tout journaliste qui là tout que vous capable faire promotion tout pour qu'on ka comprendre que qui ça parce que Haïti pas ça yo dit en vraiment et seul monde qui capable véhiculer idée ça c'est nous-mêmes qui là, c'est à travers communication.
Quant à l'aménagement et conservation des sites, bon, ça nous projeté fait. Et pour période là, nous prenons le travail tout au niveau de l'aménagement du centre historique de la ville du Cap-Haïtien, parce que nous connaissons qu'en 2020, et ville Cap-Haïtien va fêter 350 ans. Donc, nous avons prévu avec la Banque mondiale et aussi au niveau du ministère du Tourisme, au niveau du ministère de la Culture, du ministère de l'Intérieur et tout ça, bon, ouais, ministère de l'Environnement aussi, comment nous sommes capables de mieux organiser l'événement ça. Et aussi, pas oublier que Citadelle Nantou, lui-même, tout libre à gagner 200 ans depuis que Christophe lui-même l'était du tête li. Donc, grand pile projet que nous-mêmes avons dit là, et moi connais que première question que quand même nous toujours pour poser moi c'est toujours au niveau des statistiques. Donc de ce fait moi était toujours venu avec chiffres tout pour me capable dire non que bien sûr qu'on augmentation au niveau des arrivées touristiques. Nous passé de 2015 à 2017, nous passé de 1,188,314 monde à 1 million, alors en 2015 pardon, 1,242,426 en 2016, et en 2017, nous avons 1,480,799. Mais, et, au point de vue des investissements, au niveau du ministère du Tourisme, nous avons appuyé au niveau de la commission interministérielle pour les investissements, nous avons appuyé près de 8 projets d'investissement touristique, dont 6 dans l'hébergement et 2 dans le transport touristique. Alors, dans l'hébergement, on a Extas Hotel, Valparaiso, Annabelle, Coin du Village, Manoir Adriana, Calico Beach. Et dans le transport touristique, nous avons Plus Rageant, Sixt et Logistique. Alors, ces 8 projets, en réalité, totalisent 35,251,092 $ américains. Et ces six projets d'hôtels devaient avoir la construction de 254 chambres. Les projets touristiques vont créer près de 450 emplois directs et 900 emplois indirects. OK. Et bien sûr, tout ça là prouve nous, je dis que oui, que gagne travail qu'a fait au niveau du secteur touristique. Mais cependant, question pour demander nous, pour qui ça que je dis que Haïti qui a toute potentialité touristique ça yo, pour qui ça que Haïti pas qu'à recevoir entre 6 à 10 millions de touristes. Question simple, après une année nous réaliser un travail qui est super important qui relève un diagnostic institutionnel. Diagnostic là permet nous voir plusieurs bagages. Premier bagage que le fait nous comprendre au niveau du ministère touriste, c'est que le ministère n'est pas outillé pour répondre à toute mission et attribution. Premier bagage simple que m'a dit non, par exemple au niveau des directions départementales, ministère touriste présent seulement dans 3 départements, dont le Nord, le Sud et le Sud-Est. Bien sûr, on considère l'Ouest, mais en réalité, il n'y a pas de direction départementale au niveau de l'Ouest. Donc, de ce fait, ministère Lantou, on a regardé que grand pile travail qui était réalisé, et pourtant, on a regardé que dans certains travaux d'aménagement qui étaient faits, et pourtant, tout net tombé en désuétude. Qu'on y a là, ministère touriste, pas jamais équipé pour gagner en direction d'aménagement des sites touristiques. Et ça, lui-même, bon, automatiquement que Noël, nous t'es encore un week-end dans tout, que moi-même avec le premier ministre, le ministre des Haïtiens et étrangers, le directeur général Ispan, côté nous t'as visité certains sites, et côté que nous-mêmes nous proposé tout, de façon que le ministère du Tourisme, je vous dis, est capable de remplir Wally, vrai Wally. Mais ça qui est plus important, et c'est pour peut-être ça que Kounia m'a retourné, à poésie que je lis pour nous, avant que je commence à parler. Poésie, ça le fait nous comprendre. Il fait nous comprendre d'abord que on est tous nous sortis dans une société esclavagiste, côté que nous-mêmes nous n'avons pas de droit à loisir. Parce que l'on a parlé de tourisme aujourd'hui, nous c'est pour nous faire référence à un grand bagage qui est important, qui est le loisir. Et nous-mêmes, à l'heure actuelle, c'est très peu de monde qui est capable de dire aujourd'hui que nous allons faire un loisir, nous allons prendre plaisir. Donc, le ministère du tourisme, nous-mêmes, nous travaillons. Je dis, pour nous, non seulement pas garder pour ça qui était dit dans la poésie, parce que ça qui dit dans la poésie en réalité, il explique clairement que si on a un grain de bagage qui n'est pas gagné au niveau du pays, c'est un plan d'aménagement.
touristique. M'a expliqué non? Plan d'aménagement touristique, allons dire que ou en ville, normalement ancienne ville nou yo, comment on fait pour créer? C'est toujours au bord de la mer parce que gen à l'époque à l'époque coloniale, nous toutes nous avons besoin, pas nous-mêmes, mais comme si c'était plus trafic maritime qui était gagné. Et je dis, un aménagement touristique inclut comment que résidents, moun kap viv nan zon nan, yo kapab divertir, yo kapab amuser yo, et yo même tout, et moun kap vini tout, l'autre moun nan l'autre région, et nan l'autre pays tout, kap vin visite yo, apwè nan ki kad, nan ki kondisyon ke yap viv. Jodi an, nou tout nou konnen ke gen karavan chanjman ki lanse, et nou e ki travay ke prezidan fè, parce que l'ap travay pou ameliori kad avèk kondisyon la vi tout pèp. Et haïtien, hein? Parce que nous avons construit route, la baie de l'eau, la mettre l'eau dans la caille, la faire électricité venir. Donc, de ce fait, nous-mêmes, nous faisons lobbying de façon que gagner vraiment un aménagement touristique qui fait en réalité de pays. Hein? Et ensuite, ça nous finit par réaliser tout. Au point de vue pays, en tout, au niveau du ministère du tourisme, nous venons réaliser que si un document qui n'a pas jamais existé, c'est un bail qui était relé inventaire. Inventaire, l'a tout créé un répertoire de tout site touristique. Parce que non seulement on a fait inventaire là, et ça m'a parlé de lien plusieurs fois, et d'ici mois, mai, nous allons lancer un inventaire des sites d'infrastructures touristiques. Pour quelle raison? Parce que si on n'a pas repéré, nous ne pouvons pas mettre en valeur. Si on ne mettre en valeur, nous ne pouvons pas dire, ok, d'accord, mon pour venir dans le pays, pour venir visiter, pour venir garder, pour qui ça gagne. Et troisième priorité, non tout, au niveau du secteur touristique, c'est tout ça qui est capable de faire pour nous capable au moins faire payer. Pour attirer plus de monde, pour monde capable vivre là-dedans, capable de sentir au mieux, et qu'on y a tout, après ça, tout, pour être capable au moins inviter l'autre monde venir tout. Donc, nous travaillons pour ça, et nous proposer des lois que nous allons déposer la Chambre et avant fin et année législative, là, de façon que vous soyez capable de passer. Parce que ça peut arriver. Il y a encore ma faire hier soir avant que je vienne là, m'ta fait des recherches et m'a regardé pour moi que au niveau du secteur touristique, si secteur là bien organisé, nous capable créer près de 50 emplois et 50 carrières au niveau du secteur touristique. Il y a des monde qui parle comme ça, il y a des monde qui dit OK d'accord, l'on va faire hôtellerie et tourisme, de qui sont pral parler, de qui sont pral faire, mais en réalité, il y a possibilité. M'a expliqué l'autre chiffre qui est important. Il y a 79 pays sous la terre qui fait de tourisme leur moteur de développement. Pour qui ça je dis que en Haïti nous pas gagner même bagaille ça pour qui ça que tourisme même pas pour nous en priorité. Et en plusieurs fois que me t'ai parlé, que ce soit avec le président, que ce soit avec le premier ministre, moi expliquer au clairement, moi dire comme ça que secteur touristique là, c'est un secteur qui est porteur au niveau de l'économie nationale. Et quel que soit investissement que nous fait au niveau de secteur touristique là, les retombées n'a pas senti dans moins de 2 ans. Donc, nous voyons que et comment que l'autre pays au même agit, comment que l'autre pays au même pense à secteur touristique là. Et c'est pas secteur touristique là. On a regardé un point exemple. Et c'est vrai que il y a des fois que le monde qui dit que nous pas supposé prendre des exemples comme ça. Mais il faut viser grand et il faut viser le meilleur. États-Unis par exemple. États-Unis, on a regardé que États-Unis lui-même a toujours fait un plan d'aménagement pour toute ville là. Pour tout côté, il y a tout état, il y a déjà un plan d'aménagement. Et il y a que tout le monde toujours dit, il y a des Américains qui ne vont jamais déplacer pour quitter les États-Unis. Pour quelle raison? Un point exemple banal, le nombre de parcs d'attractions que vous avez, vous-même la caille. Comment que y a bien vivre, comment que y a bien faire? Parce que il y a pas besoin de déplacer. On va regarder un parc, il y a près de 59 parcs dans le pays qui sont même classés. Il y a un parc qui, l'année dernière seulement, recevait 11 millions de visiteurs. Donc, ça veut dire qu'il recevait assez nombre de monde que nous-mêmes nous gagnons dans le pays. Hein? Donc, ça veut dire que il y a un pile de bagaille que nous-mêmes nous avons supposé réfléchir à lui. Et c'est travail ça au niveau du secteur touristique qui est plus important nous-mêmes que nous-mêmes nous fait pendant toute l'année qui passait. Hein? Et nous-mêmes nous proposer des solutions, nous proposer des stratégies de façon que vraiment que le secteur touristique l'a vraiment rempli rôle lui. Que vraiment que ça fait touriste, que ça fait tout le monde et que tout le pays a comprendre que nous tous nous capables de vivre de secteur touristique ça. Et
Gain l'autre question, je connais que je vais ouvrir pour les questions, mais je dis, et avant que je finisse, je vais montrer nous un bagage qui est très important. D'ailleurs, pour nous tous, nous, Kalili, ça fait touristes, ça fait tout le monde. Haïti, on met maintenant la caravane changement, nous, qui investissement qu'a fait au niveau du secteur touristique, là. Nous pas baisser les bras. Parce que là, qu'on y a non à près de 10 000 chambres. Mais en réalité, il faut que nous augmenter la capacité d'accueil, nous. Augmenter la quantité de monde qui est capable de bien investir dans le secteur touristique. Là. Parce que pour me dire, sincèrement, le secteur touristique, là, peut-être que nous pas encore well, peut-être que ça m'a parlé, peut-être moi mal avant-garde de ça que m'a dit, non, de génération, ça a lui-même qui a venu. C'est le seul secteur, parce que ça se réfère aux loisirs. Loisirs, ouais, son bagage que. Quel que soit pays, quel que soit le monde qui travaille, ou voulez pas son titan, et même le noté esclave tout. Le noté esclave, pour qui ça nous-mêmes nous fuit dans le tourné marron? Une raison bien simple, c'est parce que nous te voulons loisir, nous te voulons la peine en tête. Nous quittons côté blanc hier, côté blanc fait nous passer misère, et puis nous arrivons, nous allons dans la grotte, est-ce qu'il a parlé tout à l'heure de grotte là? Nous allons dans la grotte, nous allons dans la rivière, nous allons dans la cascade, nous bien baigner, nous manger paisiblement, et puis nous retourner. Et c'est comme ça que nous-mêmes, au monde. Parce que sans loisirs, sans divertissement, comment on va le faire? Recréer pour recréer. Comment on va le faire ça? Donc, je dis, hein, c'est tout le travail ça que le ministère touriste nous-mêmes n'a fait. Et nous souhaitons que tout le monde comprenne que pour qui ça que les affaires touristes supposent les affaires tout le monde, pour qui ça que nous-mêmes nous supposons travailler, mettre tête ensemble, pour nous mettre maintenant en caravane changement, pour nous-mêmes tout le monde qui connaît, je dis, hein, que nous supposons quitter un lot Haïti pour génération future, pour tout le monde qui a regardé, pour tout le monde qui a regardé à travers le monde. Et pour diaspora qui est fier de pays, pour qu'on connaît que demain matin, que vous avez un côté, que vous avez un ancre pour venir là. Merci.